Voilà. Enfin, oui. Après la qualification, il y a des bobos, il y a des bobos, tout ça, des petites douleurs, tout ça. Il faut un massage pour rafraîchir le corps, pour que le corps se retrouve. Donc c'est ça, mon petit potion magique que j'ai fait avec tout le monde. Donc on est à la maison. Il faut le kiné, papa. Papa, il est kiné. Kiné manager, donc tout, entraîneur, tout. Donc c'est ça, on est en plein massage de récupération. Et voilà, c'est ça. Faut travailler. Ouais. C'est très important, le massage. Voyez, les enfants avec leurs petits jambes de Nganga. Faut prendre soin, parents, prenez soin de vos enfants. Les accompagner, c'est très important parce qu'ils ont besoin de nous. Sans nous, sont perdus. Donc c'est pour cela, je donne ce petit coup de massage aux parents pour que les parents puissent contrôler les physiques, le corps, les pupitres à la maison, s'ils rentrent ou sortent que pendant tout le match, c'est très 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 important. Parce que le massage, même nous les adultes aussi, quand on a le bobo, on a besoin de massage. Hein. Mais là, ça c'est kiné maison. Je fais mon kiné selon le conseil de ma grand-mère Antoinette Nzekba. Donc je garde toujours ce conseil. C'est grâce à ça que je suis toujours en forme. La tradition. Je garde toujours la tradition des anciens, les anciennes. C'est ma force. De vivre. Je vais transmettre ça aux champions, à mes enfants, pour qu'ils puissent aussi transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Voilà. Surtout là, vous voyez là, c'est là notre appui, ici, là. Quand on marche, notre poids, c'est ici. Donc, il faut vraiment regarder, toucher à chaque entraînement, chaque match. Si l'enfant, il fait mouvement, ça veut dire que il y a douleur qui se cache là. Dans un bon petit coup de massage, il a un bon coup de petit massage comme ça.